Christ is risen from the dead. He has defeated his enemies. He has defeated suffering and death. His last prayer on Good Friday, "My God, my God, why have you forsaken me?" did not fall on deaf ears. His Father has raised him from the dead. Death will have no power over him again. Let us sing hallelujah for Christ's victory over suffering and death. The victory is ours. Thanks be given to God, the Father, who has given victory through our Lord Jesus Christ. Could we please stand up to begin our Eucharistic celebration?
and be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, today we are celebrating the resurrection of our Lord Jesus Christ. Today is a big Easter day. Christ has defeated death. Christ has defeated suffering. He's risen, and he wants all of us that suffer with him to rise with him today. Before we continue this discussion, let us go into ourselves and ask for as many times as we have abandoned Christ, let us ask for forgiveness, and then we request also to rise with him. I confess to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I have blessed Mary ever and ever, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to God. Now, mighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Yeah.
With power, and because God was with him,
Jesus went about doing good and curing all who had fallen into the power of the devil. Now, I and those with me can witness to everything he did throughout the countryside of Judea and in Jerusalem itself, and also to the fact that they killed him by hanging him on a tree. Yet, in 3 days, he is to be seen, not by the whole people, but only by certain witnesses God had chosen beforehand. Now we are those witnesses. We have eaten and drunk with him after his resurrection from the dead. And he has ordered us to proclaim this to the people and to tell them that God has appointed him judge over everyone, alive or dead. It is to him that all the prophets bear this witness, that all who believe in Jesus will have their sins forgiven through his name. This is the word of the Lord. Let us continue our meditation with Psalm 117. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Chapter 3, from verse 1 to 4.
connaissez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas celles de la terre. En effet, vous êtes mort avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Parole du Seigneur. Have been sacrificed. Let us celebrate and feast in the Lord. Hallelujah. Could we please stand up to listen and acclaim the word of God? Le premier jour de la semaine,
Marie Madeleine se rend au tombeau de grande matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle peut donc trouver Simon Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau. Et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le lion est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et les regarde les disciples restés là et les liens qui avaient retrouvé la tête n'ont pas bossé avec le lion. Mais on l'est à part à sa place. C'est alors qu'entrant d'autres disciples, lui qui était arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Jusqu'à là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. First of all, we saw our Lord who was attracting
les crowds. Donc nous avons vu Jésus qui assemblait les foules. Jesus that was all the time with people. He was arrested. Donc Jésus qui était tout le temps avec les gens, il était arrêté. Crucified, was arrested, he was scourged, and then he was abandoned by those that were with him. Et on voit Jésus qui était arrêté, il a été abandonné par tous et ceux qui l'ont suivi, ceux qui étaient avec lui. Il a été renié, il was even denied, he was denied him. First of all, by his disciples, premièrement, les disciples, ils juraient même, on ne connaît pas, they were even swearing, but they didn't know him. And then, all that happened until even when he was crucified, donc le moment où il était crucifié, il était seul sur la croix, because he was alone on the cross. Then, crowned with thorns. Il était sur la croix, couronné de pieds. Et le haut de la croix, from that height of the crown, of the cross, he cried, my Father, why have you forgotten me? Why have you forsaken me? Du haut de la croix, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et aujourd'hui, nous voyons, nous célébrons. Today we are seeing and we celebrate the Father saying, my son, I didn't abandon you, I didn't forsake you. Aujourd'hui, nous célébrons le Père qui dit à son fils, mon fils, je ne t'ai pas abandonné. Donc là, la résurrection de Jésus. That is the resurrection of Christ from the dead. The resurrection of Christ from the dead has a lot of messages for us aujourd'hui. Donc, la résurrection de Jésus sur la mort a beaucoup de messages pour nous today. Donc, la résurrection de Jésus a beaucoup de messages pour nous aujourd'hui. Premièrement, Jésus est ressuscité d'entre les morts. And first of all, Christ is risen from the dead. And then, the question we have to ask ourselves, Christ is risen. Am I risen also? Am I rose up with Christ? Donc, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Est-ce que moi aussi, je suis ressuscité avec lui? This is a question each and every one of us will ask today. Donc, c'est une question que chacun de nous doit se poser aujourd'hui. Pendant ces 40 jours de 40 jours, de l'intérêt de carême, pendant ces 40 jours de parrain carême, nous avons vécu, nous avons fait, nous avons prié, nous nous sommes privés beaucoup de choses. Dans all these 40 days, we fasted, and then we denied ourselves of certain things. Just to be able to rise with Christ on this day. Donc, pour être capable également d'être ressuscité avec Jésus aujourd'hui. Donc, si pendant tout ce temps, nous nous sommes privés, nous avons prié, nous avons jeûné. If pendant this time, we just deprived ourselves of things, we fasted and we prayed. And then, that is, we have also the hope of rising with Christ today. Donc, si pendant ces jours, nous avons bien fait notre carême, nous nous sommes privés de beaucoup de choses dans nos journées, nous avons aussi partagé aujourd'hui, nous allons aussi ressusciter avec Jésus. Donc ça c'est la question que chacun de nous doit se poser aujourd'hui. Est-ce que je suis ressuscité avec Jésus? By rising with Christ. From the gospel we have just read, donc à partir de l'évangile que nous venons de écouter. Now the whole Saint Patty is Christ risen, Christ that has left everything in the tomb and now he is living the life of the resurrected. Donc si vous savez bien écouter l'évangile de ce jour, le thème central, c'est Jésus ressuscité. Jésus qui a abandonné tout dans la tombe et il est parti. Donc, quand vous voyez ça, le disciple,
the fact is some party were gathered in audience. The women that went to the sepulchre, they didn't see anything. They thought, but the tomb is filled of not the tomb is filled. If the tomb is filled, don't see the tomb is filled, that means Jesus is not there. He has abandoned everything, everything that just bring him down. Don't he have another two to return you? And that is also the second question. La deuxième question que nous nous sommes posées, nous allons nous poser aujourd'hui. Jésus est ressuscité, il a abandonné tout, et puis le tombeau est vide. Jesus is risen, he left everything, and the tomb is empty. That is, he has left everything that God bring him out. Donc il a abandonné tout ce que peuvent nous retenir ici. Donc, so, we also, followers of Christ, if we are risen with Christ, nous aussi, nous qui sommes les disciples de Jésus, si nous sommes ressuscités avec Jésus, nous devons tout abandonner. If we are disciples of Christ, then we have to leave everything, everything that just keeps us back. That is, the bad life we are living, the sins we are committing, la mauvaise vie que nous avons menée jusque-là, donc tout ce que nous avons fait contre notre être chrétien. Nous laissons tout cela comme des danseurs, comme des drames qui ont pris Jésus dans la tombe. So we just leave all those things, just like the things that we are used to cover Jesus in the tomb. So everything is left there, and then we have to keep up again, we have to rise and cover Jesus. Donc nous laissons tout cela dans la tombe, et puis nous allons aussi. Have I left all those things? Est-ce que j'ai laissé? Est-ce que j'ai abandonné toutes ces choses qui me retient? Est-ce que j'ai abandonné le péché? Est-ce que j'ai abandonné tout ce qui retient l'homme? Tout ce qui le tourne l'homme dans son chemin? Have I left everything? Have I left everything that does decides me? And everything that does prevent me from going forward? And that means that is the true resurrection of our Lord Jesus Christ. That is the true resurrection of every Christian. For that long, that's it. That is the resurrection of Jesus. That is the resurrection of chacun de nous. Today, this Eucharistic celebration, aujourd'hui, dans cette célébration eucharistique, on this Easter day, let us ask the Lord Himself, risen from the dead, to take us with Him. Nous allons demander à Jésus, celui qui est resté aujourd'hui, de nous prendre avec lui. And then, let Him give us the grace that we need to live our old life and then follow in the life with Him. Donc, nous allons aussi lui demander de nous donner la grâce d'abandonner, vivant donc la vie ancienne, tout ce qui est de Dieu, et aussi vivre avec lui comme le ressuscité aujourd'hui. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons ici nos enfants que nous avons préparés pour le baptême. Raphaël, children that we have just prepared for baptism and then for the communion. That is what we are going to do tomorrow. Les enfants pour le baptême. According to the fair Catholic faith, and then we are here and ask to teach others to obey God's commandments so as to love God and their neighbor as you are God. Are you ready to do that? And then, parents and godparents, these children have asked for baptism. You know they have to bring them up in the Catholic faith and share to obey God's commandments so as long as God and their name. You're conscious of that. Yes. The Christian community is glad to see you in her name. I am signing your forehead with the cross, which is a symbol of Christ our Savior. And you, brothers, God brothers, sign the forehead of your children after.
these youth who will receive the grace of baptism today. Let us pray for their parents and grandparents, for all our lives, through the institution of the saints who have gone before us. Let us entrust our life to Christ Jesus our Lord. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Holy Mary, Mother of God, pray for us. St. Michael, the angels of God, pray for us. St. Baptist, pray for us. St. Joseph, pray for us. St. Peter and Paul, pray for us. All the saints of God, pray for us. Pray of liberation. God grant you sent your only begotten Son into the world to save us from the slavery of sin and give us back the freedom of your children. We know that nation will be tempted by the lies of this world, and we need the courage to resist Satan. We humbly implore you for them, through the passion and intercession of your Son and Lord Jesus Christ, deliver them from the power of darkness, give them.
song of the resurrection. Of his holy people is anointing you with a Christmas salvation.
Our Father, who art in heaven,
Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Now go talk and look at the congregation. We salute you and welcome you into our office, please. Destroy our death,
and my rising is not our life. Therefore, as I come with Pascal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with the angelic host sing together the unending hymn of your glory as it are clear. Thank you.
Fils. Nous t'offrons, Seigneur, notre âme et la cause du salut, et nous te donnons grâce que tu as choisi pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant par le corps et le sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. De la grandeur de notre charité avec le pape François, votre évêque Anatole, bienvenue son coadjuteur et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Tu ne peux pas faire, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté pour toutes les personnes qui nous ont demandé de prier pour eux. Nous implorons ta bonté pour tous ceux qui sont baptisés aujourd'hui et tous ceux qui vont recevoir la première communion. Permets qu'avec la vie du Marais, la généreuse mère de Dieu, avec ses deux sœurs de son époux, avec les apôtres des saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Oh, dear.
et nos efforts. Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre enfouie et du travail des hommes, nous te les présentons à l'autel et qu'elles deviennent pour nous le pain de vie et le vin du royaume éternel. Amen. Thank you.
choisissant la vie à la place de la mort. Au moment de s'engager, nous allons dire sincèrement merci au Seigneur qui nous a donné le souffle de vie et permis que nos années de catéchisme se passent bien. Merci aux catéchistes qui ont donné de leur temps libre, de leurs énergies pour nous transmettre avec fidélité les valeurs chrétiennes inaltérables. Merci à notre Père curé et à ses collaborateurs immédiats qui nous ont vivement encouragés de persévérer sur le chemin de la douceur et de la connaissance de Dieu. Merci à vous aussi, chers parents, parrains et mamans, qui nous avez fort soutenus en promettant de toujours nous accompagner sur ce long chemin de la foi, engageant et engagé. Que le Seigneur fasse briller sur nous sa lumière et nous bénisse. Bonne fête à tous et que les bonnes choses commencent aujourd'hui dans notre vie à tous. Merci. She may come the glory of the resurrection to our Lord Jesus Christ to this and rest forever and ever. Amen. By your grace and receive God's blessing on this solemn occasion of the resurrection by Christ. May Almighty God bless you to today's Easter solemnity and in his companion and compassion defend you from every assault of sin. Amen. Amen. And may he who restores to you eternal life in the resurrection of the Holy Begotten Son endow you with the prize of immortality. Amen. Amen. Now the days of the Lord's Passion have drawn to a close. May you who celebrate the gladness of the Paschal Feast come with Christ's help and exalting his faith, those feasts are celebrated in eternal joy. Amen. Amen. Blessed of Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit, the Son of God, you are there with you now and forevermore. Amen. The Mass is ended. Let us pray, please, to love and serve the Lord. Alleluia, alleluia. Thanks be to God. Alleluia.